Yo tout le monde, c'est Royal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme vous pouvez voir, je suis sur Minecraft. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous pouvez voir, une vidéo tuto. Comme vous l'aurez vu dans la miniature et comme dans le titre, voilà, hein, je pense que vous n'êtes pas encore né de la dernière pluie. Aujourd'hui, on va construire cette antenne qui est une antenne satellite. Oui, ça, c'est le prochain tuto, si vous voudrez. Et ça, bon, je vous montrerai vite fait, hein, c'est rapide. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette série va vous plaire. Je compte faire d'autres constructions en tuto. J'espère sincèrement que votre série va vous plaire. Et ben, on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de blocs de fer, de barreaux de fer, d'enclumes, de toiles d'araignée, de briques de pierre, d'andésite et de gravier. Je pense avoir oublié quelque chose. Attendez, parce que vous voyez, il y a pas mal de choses. Oui, voilà, j'étais pas sûr. Il vous faudra aussi de la pierre, comme vous pouvez voir juste ici. Et on va commencer. Du coup, et des dalles aussi, parce que bien sûr, Royal, il oublie tout. Bravo. Bon, on va commencer. Du coup, on va commencer par l'extérieur. Comme vous pouvez voir, tout ce que j'ai pris, c'est vraiment tout ce qui est par rapport à l'extérieur. Donc, vous allez placer en face, vous allez placer trois blocs. 1, 2, 3 en hauteur. Vous allez placer andésite, gravier, pierre, en fait, pour faire une sorte de pattern. Voilà. Vous allez faire pareil pour ici. Et entre les deux, vous faites un espace, voyez, de manière à ce que ce soit la porte, et vous posez ce que vous voulez. Moi, je vais poser par exemple un bloc de gravier. Bon, ça, on s'en fout, vous inquiétez pas. Ensuite, vous décalez 2, 3, 1, 2, 3, tac, vous montez, vous creusez, vous mettez ça, voilà, vous placez là, et pardon, excusez-moi, je me suis trompé, à ce niveau-là, mince, ah, à ce niveau-là, vous mettez deux enclumes, voilà, comme ceci, à ce niveau-là, vous mettez deux enclumes. Ensuite, dès que vous êtes arrivé au pattern, comme ceci, vous décalez. Si je dis pas de bêtises, vous décalez 2, 1, voilà, tac, et vous remontez. Vous ne mettez aucun bloc d'enclume. Vous décalez ensuite 2, 3, vous montez. Vous décalez 2, 3, vous montez. Et sur le bloc du milieu, vous mettez une enclume. Voilà. Ensuite, vous faites un pattern, hein, comme je vous ai dit. Vous faites une sorte de pattern, en fait, pour que ça fasse un peu cassé. Vous voyez, que ça fasse un peu en mode terre. Ensuite, si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie. Voilà. On met, pareil, le pattern. Comme je vous l'ai dit, vous montez de 2, vous mettez l'enclume, vous décalez, avec le même pattern, attendez, on va juste pour pas que ça fasse trop répétitif, et voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà, pour l'instant, vous avez la base. Vous avez presque la base, pardon. Vous décalez, et vous faites la même chose. Vous faites 3, tac, et ici, pareil, vous posez un bloc d'enclume, vous décalez, même pattern, comme je vous l'ai dit, 3. Attendez, hein, je vérifie. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être du 2. Ouais, ça va être du 1, vous voyez. Bon, le 1, c'est là. D'accord. Juste à chaque fois, vous posez une enclume. Ah! J'en ai marre! Quand ça fait ça. Voilà. Vous décalez. Toc, toc. Hein, je ne vais pas vous le répéter. Hein, je préfère que vous voyez par vous-même. Vous montez de 2. Une enclume. Vous décalez. Là, vous montez de 2. Directement l'enclume. Tac, tac. Vous refaites la même chose. Ici, vous montez, par contre, pas d'enclume, cette fois, comme vous pouvez le voir. Vous décalez. Attendez, parce qu'ici aussi, je crois que c'est du 1 au bout d'un moment. Ouais, voilà, vous voyez. Que je me trompe pas pour pas que vous vous trompiez aussi. Hein. Tac, vous décalez, vous faites monter de 1 ici. 1 ici. Voilà. Et ensuite, vous faites le même pattern. Tac, tac, et tac. Voilà. Ici, vous avez la base. Comme vous pouvez voir, vous avez la base au niveau de la sécurité, on va dire. Voilà. Ensuite, vous remplissez toutes les cases, sauf à la troisième bloc. Au troisième bloc, vous mettez à chaque fois, vous mettez des toiles d'araignée, ce qui va permettre de faire comme si c'était des fils barbelés. Si vous êtes sur PC, il existe des comment ça s'appelle? Il existe énormément de packs de textures qui remplacent les toiles d'araignée par des fils barbelés et les barreaux par des meilleurs barreaux de fer, etc. Mais bon. Après, moi je suis sur PS4, je suis aussi sur PC, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Si j'arrive à retrouver un pack de textures, je vous le mettrai en description, sinon je serai désolé à l'avance. Hein. Attention, je ne dis pas que je le mettrai en description, hein. Je dis juste que si je retrouve, je le voulais. Ah, voilà. Attendez, je vais juste faire une toute petite ellipse et je vous retrouve tout de suite le temps que je Bonjour tout le remplisse monde, tout. du coup comme vous pouvez voir j'en ai profité aussi pour faire le sol et je voulais juste vous préciser que sur chaque pilier, je vais vous le mettre en même temps que vous, pour pas que vous vous trompiez, sur chaque pilier je vous conseille de mettre directement des dalles pour que voilà, ça surélève un peu on va dire et que ça fasse pas trop moche. Voilà,
Après, au niveau du sol, comme je vous ai dit, j'ai utilisé la gravier, l'andésite et la pierre, mais vous pouvez utiliser de la. Comment ça s'appelle? Vous pouvez utiliser de la granite, de la diorite, vous pouvez utiliser aussi de l'andésite poli, etc. Ça, c'est vraiment à votre guise. Et dernière chose, vous pouvez aussi utiliser, si vous êtes sur PC et que vous avez le mode World Edit, vous pouvez utiliser la commande qui est slash slash 7, vous rentrez le pourcentage, etc. Enfin bref, ça, je pense que vous connaissez, voilà. À ce niveau-là, je pense que pour les plupart, je pense que vous connaissez un minimum. Au milieu, vous allez mettre la porte et comme ceci. Et voilà. Ensuite, dès que c'est bon, vous pouvez supprimer. On va juste garder la porte et le bouton. Et le reste, vous pouvez supprimer. La toile d'araignée aussi, hein. Le barbelé, on n'en aura plus besoin. Je vérifie. Ça, on n'en aura plus besoin. Et c'est tout. Ouais. C'est tout, c'est tout. Ensuite, pour la deuxième partie. Comme vous pouvez voir ici, on va s'attaquer à la tour principale. S'attaquer à la tour principale, attendez, je vérifie, voilà. On va faire un pattern de 5, ouais, c'est bien ça. On va faire un pattern de. Ah, oui, allez, 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 allez. On va faire un pattern de 5 au sol. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oula. Oui, attendez. 1, 2, 3, 1. Ouh, je me suis perdu, excusez-moi, attendez. Ouais, voilà, on va faire un carré. Excusez-moi, je me suis vraiment perdu. J'ai cru que j'avais mal fait, mais en fait, non. Voilà, on va faire un pattern de 5. Et au milieu de ce pattern de 5, on va faire une croix. Enfin, une croix. Si je peux appeler ça une croix, on va plus appeler ça une étoile. Voilà. Comme vous pouvez voir, comme ici. On va faire une étoile et on va monter de. Si je ne dis pas de bêtises. Attendez que je me rappelle bien. Je vais vite fait compter. Hein. Désolé, hein, c'est juste que je ne veux surtout pas vous tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on va monter de 15. De 15 blocs. Attendez, 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, comme ceci, vous montez vraiment toute la tour sauf le milieu. Enfin, le milieu, après, je vous expliquerai après, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez une map qui bug un peu au niveau du système de Redstone, c'est vraiment pas obligatoire de faire ça. Après, c'est plus pour le style et pour la déco. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Tac, on va monter. Tac, 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 tac. Bien joué Royal. Tac, 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 tac. Je le fais avec vous hein, parce que c'est vraiment rapide. Hein. C'est pas quelque chose qui prend des plombes et des plombes. Tac. Tac, 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 tac. Après, n'hésitez pas aussi à mettre sur pause hein, pour pas que, comme si je vais peut-être un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas vraiment pas à mettre sur pause hein, pour vous que vous voyez. Attendez, je vais juste mettre le jour. Non. Heure, hop, hop, tac. Attendez, je veux juste me boucher un tout petit peu. Oui, parce que je suis énormément malade. Avec l'été qui est revenu, je suis énormément malade. Enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie parce que je pense que vous en avez d'autres choses à foutre de ma vie. Ensuite, vous prenez les barreaux de fer et vous les descendez. Pareil, vous en faites vous entourez, sauf le centre. Le centre. Blablabla. Voilà, sauf cet endroit-là. Vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai fait de 3. Sur les 3, vous montez que de 2. C'est-à-dire, vous m'avez compris. Je pense que vous n'êtes pas des dernières la pluie et vous voyez. Sauf si vous êtes aveugle, malheureusement. Je suis désolé pour vous. Voilà. Attention, je n'ai rien envers les aveugles, les handicapés, ni rien. Attention. Qu'on fasse pas des drames. Voilà. Vous montez de 15. Voilà. Tac. Pareil pour ici. Et ensuite, dès que vous êtes arrivé à 15, tout en haut, vous allez placer. Vous allez faire 3. Tac, tac. Comme moi. Dans la vidéo. Vous faites comme ceci. Vous allez remplir, en fait. Voilà. Et logiquement, à part le centre, voilà, à quoi ça doit ressembler le début. Comme vous pouvez voir, tac, ça doit ressembler à ça. Ensuite, vous faites la même chose, tac, tac, dès que je me trompe pas. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai failli me tromper. Tac, 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 tac. Vous refaites le même pattern que tout à l'heure. Voilà, vous faites la croix. Ensuite, vous montez de. Bah, vous allez voir de toute façon si le système de Redstone. En plus, vous montez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous montez de 18. Ouh, je me rappelle même plus que j'avais monté de 18 moi. Enfin bref. Je raconte ma vie. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tac. Faites la même chose. Hein. Tac. Vous montez ceci. Vous montez chichi. Pour de manière à ce que ça fasse une tour en fait. Hein. Il n'y a pas un chibre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je vous vois dans les commentaires hein, dire ouais, gna gna gna, ça ressemble à une. Voilà, un zboub.
Ensuite, oui, je parle plus hein, parce que je suis enfin, concentré. C'est juste que bon, je pense que vous voyez dans la vidéo ce que je fais, hein. Comme vous pouvez le voir, comme ceci. Par contre, si vous voulez le faire en survie, à part si vous êtes riche, ça risque de vous coûter assez cher. Voilà, ensuite, dès que vous êtes arrivé en haut, vous faites la même chose, vous faites à peu près le même pattern. Tac, vous vous entourez, vous faites un petit carré, un carré de 3, et au milieu, et ensuite vous faites ça. Voilà. Je vous montrerai après les deux techniques. Il y a deux techniques possibles pour faire la tour. Tac, ensuite, vous allez monter de. Oui, je sais, hein. Je fais ça là, va vite. Alors, vous allez monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez monter de 12. Même de 13, mais au niveau des fers, vous allez monter de 12. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous faites la petite croix qui fait toujours plaisir. Tac. Et vous redescendez avec les barreaux de fer. Tac. Et comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Comme ceci. Voilà. Dès que vous avez ce pattern, vous refaites la même chose. Vous montez de. Attendez, je vais compter de là. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, voilà, vous avez monté de 13. Oui, je sais, j'ai galéré. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà, logiquement. Bah voilà, voyez, Royal est beau gosse. Vous allez prendre les barreaux de fer. N'oubliez pas de prendre aussi. Ça, c'est à votre guise. Moi, par exemple, je le mets, mais si vous voulez ne pas le mettre, vous le mettez pas. Vous prenez des clôtures de briques du Nether. Oui, allez, clôture en briques du Nether. Vous prenez des barreaux de fer. Vous montez les barreaux de fer de 3. 1, 2, 3, 3, pardon. Et vous montez les briques. Ah! Vous montez les clôtures de briques de 2. Et ensuite, vous mettez la petite torche de redstone qui fait toujours plaisir. Voilà. Là, votre tour, la tour est terminée. Là, comme vous pouvez le voir, la tour est vraiment terminée. Elle était hyper simple, rien de plus simple. Maintenant, on va s'attaquer aux paraboles. Les paraboles, elles sont pareil, elles sont pas si compliquées que ça. Attendez, ouais, non, on va pas supprimer, je supprimerai flemme. Ou pire flemme. Vous allez descendre à partir de. Oula. Oula. Attendez. Manque un bloc là. On va monter d'un bloc. Ouais, on va monter d'un bloc quand même. Hein, parce que là, j'ai remarqué, il manquait un petit bloc. Hein. Tac, voilà. Pour pas que, comme je vous ai dit, vous voyez, ça, c'est les erreurs du débutant. Enfin, c'est les erreurs du débutant. C'est les erreurs que je fais souvent. Alors, vous allez descendre à partir de. Vous allez descendre de 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez descendre de 5. Donc, on va le faire ensemble. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez. Vous faites un pattern de 3, voilà, vous faites un 3, vous faites un carré de 3, et ensuite vous entourez le carré de 3, vous faites ça, voilà. Comme vous pouvez voir, vous faites le même carré de 3, sauf que, au lieu que ce soit un carré de 3, c'est un carré de 3, sauf que, bon, vous m'avez compris, hein. Pas besoin de vous expliquer, je pense que vous l'avez vu. Voilà, là vous avez la première parabole. Moi par exemple, je creuse pour faire 2 de 2, mais bon, vous pouvez aussi faire comme ça, hein. Voilà, vous pouvez juste poser directement. Moi personnellement, je creuse, et ensuite je pose un béton noir. Si vous n'avez pas le béton noir, vous pouvez toujours utiliser, comme je vous ai dit, moi, je sais que de base, je voulais utiliser le bloc de charbon et les blocs de verre du Nether ou les blocs de redstone. Pour ceux qui sont en 1 point. Avant la 1.13, je crois que c'est le béton, ou 1.12, je me rappelle plus. Excusez-moi, encore une fois. Du coup, ensuite, on va partir de derrière. Voilà, ma manette qui bug, j'adore. Ensuite, on va partir de derrière, vous allez faire la croix. Comme vous pouvez voir, vous avez la croix. Et on va. One minute. Voilà, c'est bon, c'est pas ce que je pensais. On va passer, voilà. Et vous allez pareil, vous allez refaire un petit carré. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Comme ceci. Et vous allez faire la même chose. En fait, vous allez faire la même chose à plusieurs reprises, à plusieurs endroits différents. Logiquement, ça a quatre endroits différents pour que ça fasse un cercle, en gros, que vous tourniez. Comme je vous ai dit, moi par exemple, je fais ça. Voilà, pour l'instant, la parabole elle ressemble à ça. Ensuite, vous descendez de 1, vous voyez, on va plutôt se baser sur les fers. 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez descendre de 6. C'est bien ça, 6, ouais. Serpent le bordel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Ensuite, vous placez. Les carrés, pareil, vous faites un carré, tac, tac, hein, ça, je pense que vous êtes, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas encore né de la dernière pluie pour voir sur la vidéo ce que je fais. 1,
Juste, je préfère vous montrer les calculs. Tac, tac, tac. Voilà, comme ceci. Et ensuite, le dernier, vous allez le placer au dernier endroit. Voilà, comme c'est ici, vous allez le placer vraiment en dessous de la croix. Voilà, comme vous pouvez voir. Tac, vous entourez. Et dès que ça, ce sera terminé, la première antenne sera terminée. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus simple. C'est juste pour les ressources. Si vous êtes en survie, je vous conseille de ne pas forcément le faire en bloc de fer. À part si vous êtes en survie modée et que vous avez la tonne et la tonne de fer, je vous conseille vraiment pas. Voilà, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, la tour est terminée. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, on va vite fait s'attaquer au box. Au centre. Ouais, au box. Moi, je l'appelle le box. Ça doit avoir un nom spécial, mais je l'y connais pas forcément. Vous allez prendre ça. Vous allez prendre les dalles. Je vous conseille aussi de prendre les pierres lisses pour que ça soit plus simple. Parce que de toute façon, on va mettre, si j'ai pas de bêtises. Voilà, on va mettre à l'intérieur. L'intérieur, après, ce sera à votre guise. Moi, je vous montre vite fait mon intérieur. Enfin, mon intérieur. Je vous montre vite fait l'intérieur, comment moi je l'ai fait. Mais après, ce sera vraiment à votre guise. Hein, de ça, vous le savez très bien autant que moi que dans les tutos, vous utilisez, mais à la moitié que vous n'utilisez pas. Voilà, ensuite, voilà, 3, tac. Ouais, voilà. Je comptais, excusez-moi. Vous allez partir de 3. Vous allez faire 1, 2, 3. Un bloc là. Un bloc là. Et ensuite, vous faites le tour. Attendez, je vais que je me trompe surtout pas. Pour pas vous. Voilà, 3 et 1. Voilà, 3 et. Non, 3 et 2. Putain, non, 3 et 1. Voilà, c'est bien ce que je pensais, 3 et 1. Voilà. Donc, vous faites une sorte de rectangle. De 3. De 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, de 7 par 1, 2, 3, 4, 5, 7 par 5, voilà. Le rectangle va ressembler à ça. Vous l'augmentez de 3. C'est bien ça. Oui, vous l'augmentez de 3. Je vous jure, je fais le serpent à cause de vous. Non, je rigole. Vous augmentez de 3, vous le montez en gros. Hein. Tac. Au milieu, vous allez placer les pierres lisses. Enfin, moi, je préfère le faire maintenant, au moins c'est fait. Tac, comme ceci, le box ressemble déjà à ça. Oula, oula. Vous prenez les dalles de pierre lisse, vous placez comme ceci, tac tac, ah, tac 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 tac, et hop là, tac tac et tac tac tac. Voilà. Votre box, il doit ressembler à ça. Ensuite, ici, vous allez faire un trou de manière à ce que ce soit la porte qui passe. Pareil, pour le sol, je vous conseille par exemple, moi comme je vous ai dit, je mets de la pierre lisse parce que ça fait vraiment un peu dans le style. Comment ça s'appelle? Ça fait plus style. Voilà, j'ai oublié le nom. Ça fait vraiment plus style usine, on va dire, voilà plutôt. Ici, vous allez casser et vous allez placer. Moi pareil, j'ai pris des hauts fourneaux et des fours, mais bon, si vous en avez pas, je vous conseille de prendre juste des fours et des dispensers. Et vous faites comme moi. Voilà, moi j'ai fait ce pattern là, mais vous pouvez faire un pattern comme ceci. Un pattern comme ceci, voilà. On va garder celui-là. Vous fermez de blocs de briques et vous faites pareil de l'autre côté. Tac, vous faites à peu près un même pattern. Hein. En fait, c'est pour que ça fasse un peu un style générateur. Voilà, tac, tac. On va juste en placer un ici. Voilà, et ici. Et vous placez les trois. Vous prenez des capteurs de lumière et vous en placez trois, comme ceci. Voilà à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite, vous prenez des vitres blanches. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des vitres blanches. C'est vraiment à vous de choisir quelle vitre vous allez prendre. Vous en placez une à côté de l'entrée, vous comptez un bloc et vous placez une. Ensuite, si je dis pas de bêtises, vous en placez une. Voilà, au milieu. Pardon. Vous en placez une au milieu, juste ici. Tac, et voilà. Là, pour l'instant, comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Voilà. Là, logiquement. Presque tout est terminé. Vous avez juste à placer une porte en fer, un bouton, et voilà. Comment ça s'appelle? Votre antenne est officiellement terminée. Après, comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir, la mienne clignote. Vous pouvez voir comme ceci, la mienne est en train de clignoter. Si je vais vous montrer comment on fait, après, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas obligé. Tac, tac, tac. D'ailleurs, bravo Royal, tu as oublié. L'enclume n'est pas à utiliser. Hein. L'enclume, j'ai juste pris parce que j'avais supprimé. Mais voilà. Vous prenez une torche. Vous allez creuser, vous voyez, rappelez-vous que vous avez laissé faire un trou. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas obligatoire. Excusez-moi, mon enregistrement a eu un tout petit problème. Voilà, regardez-moi en face. Lâche un like, ou je te fume. Non, bref. Comme vous pouvez voir, vous allez creuser. Moi, comme vous avez vu, je suis sur un monde plat. Donc, personnellement, je creusais comme ceci. Tac, 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 tac. Vous allez creuser de ce côté.
Connecter, attendez que je vérifie bien. Tac, je vérifie. Tac, tac. Voilà, que ça fasse ça. Tac. Voilà, donc il va falloir creuser. Oui, c'est normal, hein. S'il y a du gravier qui tombe, comme je vous ai dit, moi je l'ai fait tomber parce que voilà, j'ai pas du tout fait exprès. Vous allez creuser comme moi. Enfin, comme moi, vous allez creuser comme vous voulez, hein, pour pas que ça fasse moche. Faites comme moi et vous faites une sorte de boucle. Ça, c'est un autre truc en redstone qui est assez simple à comprendre, qui est assez connu. Vous allez mettre les tics à 4, enfin au maximum quoi. 1, 2, 3, à 3 plutôt. Voilà. Et ensuite, vous allez placer le levier ici et vous allez l'activer. Comme vous pouvez voir, la torche va clignoter. On va vite fait, vous voyez, moi je préfère reboucher quand même au cas où pour pas que ça fasse moche. Hein. Tac, 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 tac. On va vite fait casser ça. Ici, je vous conseille de mettre des blocs de fer, pareil, pour pas que ça fasse vraiment moche. Et vous placez une torche, ici, un bloc. Torche, 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 bloc. Et voilà, vous avez compris, hein, je pense que vous avez compris. Vous montez jusqu'en haut. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et si vous avez tout bien fait, la dernière bloc, vous devez poser une torche. Vous placez un bloc de fer ici, un bloc de fer ici, et vous placez votre lumière. Et voilà. Là, officiellement, votre antenne est officiellement terminée. Voilà. Comme vous pouvez le voir, à quoi ça ressemble. C'est vraiment, c'est une antenne toute simple. Excusez-moi, je vais devoir encore me moucher. C'est très sympa d'être enrhumé. Voilà. Après, je peux vous montrer vite fait comment on fait cette antenne. Hein. Je vais vous montrer vite fait. Elle est hyper simple. Vous avez juste besoin de fourneaux, de blocs de fer, de barreaux de fer et de clôture de briques et clôture en briques de laser. Je vais y arriver. Et de torche droite. Voilà. Vous faites pareil. Vous faites un pattern de 4 comme ceci. Vous placez au milieu, enfin à cet endroit-là, vous placez des hauts fourneaux. Au centre, vous placez deux blocs de fer. Vous placez des barreaux de chaque côté, de manière à ce que ça fasse un peu comme une croix. Enfin, une croix schizophrène plutôt, enfin, vous m'avez compris. Une croix malade. Voilà, comme ceci. Ça, voilà ce que ça va vous donner. Ensuite, vous montez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous montez de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites la petite croix en haut. Tac. Vous descendez les barreaux comme ceci. Pop, 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 vous remontez, hein. Voilà, tac, tac. Vous placez 2-2, vous montez 2-2 aussi, tac, et tac. Voilà, c'est vraiment comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus simple pour cette antenne-là. C'est une petite antenne qui est toute mimi, toute mignonne. Voilà. Enfin bref, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que cette série va vous plaire. La prochaine fois, nous allons nous attaquer à un peu plus gros. Nous allons nous attaquer à cette parabole. Cette parabole qui est vraiment beaucoup plus compliquée, comme vous pouvez voir, il y a énormément de détails qui sont à prendre en compte. Après, peut-être que la parabole pour vous sera un peu trop grosse. Sur YouTube, j'ai vu très peu de paraboles qui étaient en français. J'en ai même pas vu en fait. Des tutos français au niveau des paraboles et même des antennes, hein, des antennes comme ça, j'en ai très peu vu parce que même moi j'ai galéré à en trouver. Bon, au final, ça c'est moi-même qui l'ai inventé, hein, parce que voilà. Pareil pour la parabole, je me suis fié à la réalité. Comme vous pouvez voir, bon, après le bas, ce sera vraiment à votre guise de le modifier. Mais en anglais, il y a énormément de tutos. Mais en français, c'est très compliqué de trouver des tutos. Mais voilà. J'espère vraiment que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et voilà. N'hésitez pas aussi à aller dans la description, à lâcher un like, à commenter, à partager, etc. Et sur ce, bah, vous savez quoi? Allez, peace les gens!